5h du matin, parti à 4h30, on s'est levé à 4h30. On est parti pour faire le monde de la Francesina. Et voilà, on est avec Camille et Sylvain. Et on va voir comment ça se passe. On avance à... On est à quelle altitude là? Une vitesse de 10 mètres par minute et on atteint une altitude de 2835 mètres. C'est quoi la loi Sylvain là déjà? Le baron, bah ça c'est demain. Ouais. Demain on fait ça. Et nous on monte en haut de ça, non? On va derrière. Bah, c'est derrière ça? Ouais, la moraine. Regardez-moi ça, putain. Ce mur de glace. Ce petit lever du soleil. Nous, on va aller au col. Okay. Et du col, après, on va voir comment c'est sur la Franquicuti. Si ça peut faire, on ira là-haut. Yes. Alors il est 4h30 du matin, même 4h du matin, on vient de partir. On va faire le col, le sommet de l'Albaron. Plus de 1200 mètres de dénivelé, que des rochers et du glacier. Et ouais, première journée, on devrait atteindre le glacier avant 10 jours. Il va être à 9h au sommet, 9h30, tout se passe bien.
5h05. On est au pied du glacier, tout en haut. Et nous, on voit pas, mais on monte tout là-bas. Et là, on est préparé pour 4 heures de marche. Ouais, 4 heures, si tout se passe bien. Si Renaud arrive à mettre ses ça devrait le faire. Gagné, hein. Ah ouais, il a découvert le feu. Là, on s'est tapé toute une putain de montée en pierre. Et là, on attaque la seconde partie du glacier. Avec le sommet là-haut. Et on a fait en gros la moitié du trajet. Il nous reste une bonne moitié. Ah voilà. Enfin, du coup, Antoine.